2, la peine, et on ramène. On met là en rang. 1, 2, on pointe le sol vers le bas, on donne une vie avec la jambe, on ramène sur le ventre, et on vient ici. Il n'y a pas qu'une menotte, et on ramène. On recouvre, on chasse, on a le contrôle. Maintenant, je veux l'amener au sol. Je fais un pas de retrait, j'ai dégagé le bâton, on fait un mouvement de manivelle et on amène au sol. Vous voyez, on l'a fait ça ce matin. Dans l'histoire de la manivelle, il faut que sa main elle soit au-dessus de son épaule, sinon il ne tombe pas. 1, 2, 3, et on amène au sol. Ici, je peux travailler avec mon arme, mon coéquipier peut s'occuper de le fouiller. Et s'il ne bouge pas, s'il commence à se débattre, on va un peu vers l'arrière. Hop, on ferme. S'il vient pour m'envoyer une tarte, un coup de poing, viens doucement. Hop, chaque fois qu'il vient, moi j'exerce ma pression. On tire, prête allégeance, on rabat, et ici on a la pression. On va venir maintenant rentrer dans l'intérieur. Regardez, je pique dans l'intérieur, je récupère son poignet ici, et là j'ai mon contrôle. Ok, après on peut décider d'amener au sol, terminer avec lui, le faire pivoter au niveau du menton. Ok, pour finir en contrôle, je m'en mal. En me basant sur ça, on va travailler la défense et l'esquive de corps. Quand je vois le départ de son épaule, hop, je sors. Ok, je ne sors pas de son côté. C'est mon épaule droite qui plonge vers l'avant. Je suis arrogant, donne ton point. Je suis arrogant, j'essaie de passer vraiment un rat. D'accord, je viens pour m'attaquer. Esquive. On joue. Hop. 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 Et nous, en crabe, on ne prend pas d'une esquive. On veut défense et compte simultané. Donc quand il va venir pour m'attaquer, bam. Ok, je rentre et je rentre le point. Alors attention, même si vous voyez que je pousse la main, c'est pas une parade. C'est juste que je viens protéger mon visage et j'écarte son bras. Mais c'est vraiment une esquive de corps. De ce côté, je m'attaque. Après, vous enchaînez, vous faites ce que vous voulez. Vous avez une base de judo, vous voulez projeter, vous jetez, vous voulez faire de l'aïkido, ce que vous voulez. On va montrer un enchaînement type anglaise, en point. 1, on va rentrer avec tout le poids du corps en projet. Percute, pied, genou, coude, projection, ce que vous voulez. D'accord? On est là. De ce côté. Et on enchaîne. Vous voyez, j'ai encore le bras. Je peux retaper, je peux taper, je peux projeter. 1, c'est une frappe. 2, c'est un crochet. 3, c'est beaucoup. Mon début de cavalaire, c'est quand il est comme ça, les deux pieds de profil. La une qui chenille, boum, il tombe. Directement le bras. La deuxième, directement le bras. Ok. On projette, on coupe et on recule.